Bienvenue à cette deuxième partie de capsule qui porte sur la respiration cellulaire avec glucose. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous encourage à le faire avant de poursuivre. Donc, ce qu'on avait vu dans notre première capsule, c'est qu'une fois que le glucose est entré dans les cellules, ben, il est transformé par le processus de la glycolyse et du cycle de Krebs. Et ça avait généré notamment, oui, un peu d'ATP, un déchet qui était le CO2, mais également des électrons. Et la capsule qui suit, donc la présente capsule, va porter sur ce qui arrive avec ces électrons-là, et on va voir qu'ils sont fort utiles. Ça s'appelle la chaîne de transport des électrons. Donc on situe un peu les choses, on est dans la mitochondrie, et plus particulièrement, on est à la jonction de la membrane interne de la mitochondrie. C'est ce qu'on illustre ici, donc on voit en haut la membrane externe, et la membrane interne, c'est celle qui est un petit peu plus bas. Et vous allez voir qu'il y a des espèces de boîtes un peu tout le long de cette membrane-là. Les boîtes rectangulaires, ben, ça correspond à des canaux, des petits canaux qui vont permettre à certains éléments de circuler. Et on va voir aussi complètement à droite une sorte de canal, mais qui est associée à une enzyme qui va générer de l'ATP. En bas, on voit nos deux petits camions qu'on a vus dans la première capsule. Donc, ce sont nos transporteurs d'électrons. Donc, tout commence avec un transporteur d'électrons. Je commence avec le NADH. On va voir qu'il y a une petite particularité pour l'autre, mais c'est pas grand-chose. Donc, notre camion s'approche de la membrane et il va livrer ses électrons. Vous vous rappelez qu'il s'était chargé d'électrons, mais maintenant il va les livrer vis-à-vis le premier canal. Et en faisant ça, une fois que le camion est vide, il s'en retourne. Et une fois que les électrons sont livrés vis-à-vis le premier canal, ça va permettre à des H+, des petites, très 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 petites molécules, en fait ce sont des protons, les H+ vont être expulsés de l'autre côté de la membrane. Donc c'est les électrons qui vont avoir permis ça. Ces électrons-là ne restent pas vis-à-vis le premier canal, ils vont être pris en charge par une sorte de petit transporteur qui va l'amener vers le deuxième canal. Et quand les électrons arrivent vis-à-vis le deuxième canal, devinez quoi? Ça fait sortir un autre H+. Nos électrons ne restent pas là, ils prennent un autre taxi, si je peux m'exprimer ainsi, et ils s'en vont vis-à-vis le troisième canal. Devinez quoi? Ça va permettre de faire sortir un troisième H+. Pour le moment, nos électrons, on va les laisser tranquilles vis-à-vis le troisième canal, mais vous allez voir tout à l'heure ce qui arrive avec ces électrons-là. Un petit mot pour le FADH2. Lui aussi va libérer des électrons, mais il ne le fera pas vis-à-vis le premier canal. Il va le faire vis-à-vis le taxi qui va amener les électrons sur le deuxième canal. Ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est qu'au lieu de faire sortir 3H+, ben, il va faire sortir 2H+. Donc, c'est la seule particularité. Au final, ce qui est le plus important, c'est que l'action de nos électrons vis-à-vis les petits canaux va avoir fait augmenter la concentration de H+ de l'autre côté de la membrane, donc en haut, et en bas, on aura une concentration plus faible de H+. Tout ça parce qu'on a expulsé constamment des petits H+ vers le haut. Ces H+-là vont être très utiles parce que s'ils sont plus concentrés d'un côté de la membrane, leur tendance naturelle va être de revenir du côté où ils sont moins concentrés par diffusion. Donc, on va permettre à ces H+-là de revenir vers l'intérieur, mais on va leur permettre de le faire en passant par un canal spécial qui est associé à une turbine. Et cette turbine-là va prendre l'ADP plus P pour former de l'ATP. Donc, à chaque H+ qui revient dans la turbine, ben, on va se retrouver avec un nouvel ATP. Un peu comme de l'eau qui passe dans une turbine, dans un barrage, pour fabriquer de l'hydroélectricité, de l'électricité, pardon, ben, ce sont les H+ qui passent à travers la turbine pour générer de l'ATP. Donc, nos électrons vont avoir été très utiles. Ils vont avoir permis d'expulser les H+ de ce côté-ci de la membrane, vers le haut. Et en faisant ça, ça crée le gradient de concentration nécessaire pour permettre aux H+ de revenir, mais on les force à revenir par la turbine qui, elle, génère de l'ATP. Maintenant, ces H+-là reviennent. Si on les laisse revenir de cette manière-là, ben, ça finirait par s'équilibrer de chaque côté de la membrane. On perdrait notre force motrice, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a, je vous rappelle, nos petits électrons dont on avait dit qu'il allait arriver quelque chose, mais quoi? Ben, voici ce qui va arriver. Donc, nos H+ vont s'approcher ici et les petits électrons vont être captés par de l'oxygène. En fait, l'oxygène, c'est la dernière molécule qui va accepter les électrons.
et elle va les accepter en réagissant avec 2H+. Si on prend 2H+ avec l'oxygène et les deux électrons, ça va nous donner une molécule d'eau. Cette molécule d'eau-là, ben, va sortir éventuellement de la mitochondrie, pourra même se retrouver dans le plasma. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'oxygène, c'est le dernier accepteur d'électrons. C'est comme ça qu'on va finir par se débarrasser des électrons une fois qu'ils vont nous avoir servi à faire de l'énergie. Le bilan, ben, je vous rappelle qu'avec la glycolyse, avec un glucose, on avait formé de l'acide pyruvique qui s'était transformé en acétyl-CoA, qui lui-même avait subi une série de transformations dans le cycle de Krebs. Ça nous a donné de l'ATP, du CO2, un déchet, et nos fameux électrons. Ces électrons-là ont été transportés vers la membrane de la mitochondrie pour faire sortir les H+, pour les faire revenir. Et grâce à l'oxygène, on a pu finalement se débarrasser de ces électrons-là avec deux hydrogènes pour former de l'eau et de l'ATP. Et cet ATP-là, ben, ça a permis d'en fabriquer une grande quantité. Et avec un déchet, mais qui est un déchet d'eau, qui, lui, au final, ben, ne posera pas grand problème. Donc, on peut dire que si l'organisme humain a évolué pour avoir un appareil respiratoire et un appareil cardiovasculaire, c'est pour amener de l'oxygène vers les cellules. Et la seule et unique fonction de l'oxygène pour les cellules, c'est d'accepter les électrons une fois qu'ils vont avoir fini leur boulot de faire fabriquer de l'ATP. Le CO2, lui, ben, il va être expulsé et il provient en grande partie de cette réaction-là aussi, d'avoir généré de l'ATP à partir du glucose. Donc, au final, on peut dire que l'oxygène ne se transforme pas en CO2, même si les deux molécules empruntent les mêmes systèmes pour circuler dans l'organisme. L'oxygène se transforme en eau. Et le CO2, c'est quoi? Mais c'est un constituant du glucose original ou de l'une des molécules qui a réagi avec le glucose. Donc, voilà. Bonne étude!